Bonsoir, Elunomouli. Donc là, je vous retrouve pour parler cinéma, pour parler de Steak, excellent film, avec Eric Judor et Ramzy Bedia, je crois. Ou Eric et Ramzy, quoi, comme on les connaît. Et donc, ce film-là est excellent. C'est un film de, comment ils appellent ça, Quentin Dupieux, je crois, un truc comme ça. Et excellent réalisateur. J'ai vu deux films de lui, en même temps, j'ai pas vu beaucoup de films. J'ai vu. Donc, Steak, et j'ai vu aussi Rubber. Rubber, c'est l'histoire d'un pneu tueur. C'est un pneu télépathe. Faut voir le film pour comprendre, mais c'est un très bon film. J'ai vu au cinéma à l'époque. Et donc, excusez-moi. Et donc là, Eric Judor et Ramzy, enfin Eric et Ramzy, on va arrêter de les appeler avec leur nom. Donc, Eric et Ramzy, ils sont exceptionnels. Là, c'est de l'acting à un niveau. C'est à la fois drôle, c'est vrai qu'il y a cet acting un petit peu, genre la tour de Montparnasse infernale, la tour de contrôle infernale, que je conseille. Donc il y a cet humour-là, voilà, c'est leur humour à eux, c'est des artistes. Mais là, en plus, il y a vraiment de l'acting. Regardez un petit peu. Là, il revient. Parce qu'il a passé plusieurs années dans un internat psychiatrique. Regardez. Putain, c'est trop beau, ça. Tu vois l'émotion? C'est qui se crée, quoi. Lentement, petit à petit, quoi. Sais pas ce qu'il mange. Cher Blaise, depuis ton internement, notre vie s'est transformée en cauchemar. Blaise, c'est Eric. Nos amis nous ont tourné le dos. Les gens dans la rue nous montrent du doigt. Ils nous crachent dessus. Cela fait 3 mois que ta petite sœur ne va plus à l'école à cause des pressions qu'elle subit. Ton père s'est fait licencier immédiatement après les événements et n'a pas changé de chemise depuis son jour, tant sa joie de vivre s'est envolée. Quant à moi, j'ai perdu mon goût naturel pour le ménage et tenté plusieurs fois de mettre fin à mes jours. C'est pourquoi nous avons décidé de partir d'ici et de recommencer à zéro ailleurs, loin de tout ça, loin de toi. J'espère que tu comprendras. N'essaie pas de nous retrouver et prends soin de la maison. Cordialement, maman. C'est beau, hein? Et ça, c'est ça. C'est que la musique et tout comme ça, c'est une émotion. Et donc, tu vois, c'est une histoire. Bon, je la raconte, je vais pas spoiler parce que dès le début, on le voit. En fait, il y a Ramzy qui se fait bolosser quand il va à la fac, enfin, au lycée, high school, quoi. C'est un peu comme Bowling for Columbine, tu vois. En fait, il pète un plomb et il mitraille des gens. Et simplement, en se barrant, il rencontre Eric, donc l'amitié, hein, qui les unit, tout ça. Et donc, son outil, il lui donne. Enfin, c'est. Faut voir. Donc il lui donne, et après il y a la police qui débarque et qui arrête Eric. Il fait quoi? C'est criminel ça. Donc lui, bon, il porte le chapeau. Hein. Bah, le foie, hein, il est un peu. Il comprend pas trop ce qui se passe en fait. Et donc il fait de la prison, enfin l'internat, machin. Et quand il sort, il retrouve évidemment Ramzy, quoi. Il y a des scènes très très fortes, il faut que je retrouve. Attends, c'est où? D'accord, et voilà. Je ne dirai à personne que je me suis évanoui, docteur. Allez. Bref, c'est un bon film, hein. Regarde-moi ce visage un peu, il n'est même pas refait. Et puis ses habits, ça se fait plus personne. Mais ça, c'est comme ton bicross, là. Tu sais qui vient en bicross? Tu vois des bicross, tu gardes quelque part? Tu vois des bicross? Mais pas besoin, t'es le seul mec en bicross ici. C'est comme ce bracelet uruguayen, là. Personne ne met ça. Écoute-moi bien. J'ai une solution pour toi. Tu devrais partir. Tu devrais partir très très loin dans un pays très...
très lointain, ah bon, sous-développé. Un pays où un pauvre comme toi, mmh, et ben ça deviendrait cette fois un king. Mmh. T'as compris l'expression king? T'as compris l'expression king? J'ai compris, ça y est. Non, parce que j'ai plus mon temps, mais c'est le nouvel humour. Bravo, parce que... Ouais, là, il s'opère le visage, là. Parce qu'apparemment, c'est la mode, quoi, de s'opérer le visage. Donc, je mets des agrafes. Enfin, je spoil, là, excusez-moi. Faut découvrir le film. Franchement, il est très... Je le conseille à tous, c'est aisé à tous. Non, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il y a des scènes vraiment très belles. Faut voir le film, quoi. C'est vraiment un film d'une profondeur. On connaissait pas cette intensité d'acting pour Eric Ramsey, là, c'est vraiment... Et oui, dans le Shiver. Shiver, quand il fait comme ça, c'est... Enfin, faut voir le film. Mais tu vois, ils se disent bonjour, Shiver, comme ça. C'est... Et donc, en fait, Ramsey, c'est devenu un peu la star locale. Hein. Bon, peut-être pas la star locale, mais voilà. Et il y a Eric qui vient et tout. Et Eric aussi, il devient très populaire. Mais il faut comprendre, tu vois, que c'est une sorte, à mon avis, une sorte de Bowling for Columbine mélangé à la tour de Montparnasse infernale. Tu vois, un petit peu, c'est de l'acting, quoi. C'est beaucoup d'acting. Donc, moi, je vous conseille. Voilà, regardez-le. C'est un bon film. En plus, il est rapide, hein, 1h20, 1h25, tu vois. Il passe nickel. Tu vois, ça te permet de t'aérer la tête. Tu vois, tu penses à autre chose. Tu penses, tu sais, quand toi, quand t'étais petit, tu te faisais bolosser, tout ça, ben, c'est comme Ramsey. Tu vois. Et donc, tu dis, peut-être que j'aurais dû venir à l'école avec un outil. Là, ça aurait été différent. Et d'ailleurs, bon, dernière remarque. Moi, quand j'aurai un enfant, je lui dirai, écoute, petit. Écoute, assieds-toi sur mon genou. Tu sais, je le ferai asseoir comme ça. Je lui dirai, écoute, à l'école, il ne faut pas embêter les autres. Parce que tu sais, voilà, c'est pas bien. Sois gentil avec tout le monde. Si t'en vois un qui se fait bolosser, n'hésite pas à... Voilà, avoir des remarques sympas, tout ça. Parce que si jamais il revient avec un AK-47, quand tu te verras, il fera... Ouais, bon. Et il passera à l'autre. Et alors, n'hésite pas à dire, ouais, les pom-pom girls sont cachés là, avec les stars de l'équipe du football, ils sont planqués là. Alors, n'hésite pas. Et tu fais bon, allez, ciao. Tu vas poli, toujours poli. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous remercie. Hein. J'espère que cette vidéo a été instructive. En tout cas, ce film est vraiment excellent. Allez, ciao, hein, mettez un like, abonnez-vous, partagez. Allez, ciao.